Hey, Oyo Minasan, c'est Gunsho, et aujourd'hui, on se retrouve sur du Fallout 4, et ouais. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode, dernier, vous a bien montré comment utiliser ce terminal-là. Alors, non. Je veux pas rentrer dedans. Donc il faut rentrer dedans et machin là, résoudre ce truc là. Donc voilà, donc ça étant fait, maintenant je peux me barrer d'ici. Donc on va se barrer de là. Ok, là. Ok. Non, ça me dit plus vers le bas. Je vais te fouiller ce machin moi. Ok. Je vais passer par là-haut quand même, parce que ça revient au même, je pense. On va passer par là. Hein. Ok. Ok. C'est quoi cet endroit? Du scotch? Oh! Intéressant. On va pas laisser dormir là. Oh putain, toutes ces canettes. Alors, une canette. Ouais. Bah, donc, on sert, j'en ai besoin, c'est que du fer. Mais les bottes de. Enfin, les canettes, c'est d'aluminium. Donc, vaut mieux récupérer, hein. Oh, du scotch. Oh putain, de la colle. Ok. Voilà. Bon. Ok, ça c'est fait. Tac tac. Ok, ça mène là, mais il y a que là. Oh! Oh, mais il y a de la colle partout! C'est bon, chat! De la colle! Ok. Ça, c'est fait. Oh, le rollback qu'il a eu, le robot. What the fuck? Hop, on va descendre là, voilà. Assez blanche, ok. Hop là. Chouf. Putain, la rade qu'il y a dessus. Oh my god. Il a bouffé de la rade lui. Oh my god. Putain, j'ai deux points à rajouter aussi. Là, j'ai complètement zappé de les mettre. On va faire ça tout de suite. Comme je boule. Je utilisais beaucoup ces derniers temps la grosse souffleteuse. Je vais mettre tout là-dedans. Comme ça mon arme là fait combien? Hop, on va prendre la laser galleting. Voilà. Wow. Vous allez manger cher. C'est quoi la quête là maintenant? Alors, découvrir complexe médical secret d'Ima. Ok. Ok, ben on va en faire ça. Hein. Récupérons ces petites plantes là.
enfin sorti de cette chose. C'est vraiment dégueulasse le coin là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas honnête. Hein. Je suis pas né à ce coin. Je me sens pas très rugueux là. Alors, regardons la map. Le plus proche. Bon, ben allons visiter ça là-bas. Oh putain, mais la radkia ici c'est chaud. C'est vraiment dégueulasse l'endroit. Hein. J'ai pas quitté toi, mais tu as crevé. Oh. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé dans la tronche lui? Intéressant. Résistance aux dégâts, plus 50 en visant. Pourquoi pas? En plus, maintenant j'ai perdu le point. C'est vers là-bas. Je veux pas savoir à qui appartient cette chose. Enfin, ce squelette de what the fuck. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme créature ici, mais elle devait être pas nette. Ok, moi je rentre dans l'eau comme ça en mode wet. Bon, ça va, l'eau ça me fait que d'elle. Un petit radis à je peux combien, ça me fait que d'elle. À part s'il y a des... Oh, odeur. Coucou toi. Don't touch me. Putain mais... Vas-y, dégage. Mais what? Qu'est-ce que fait cette bestiole là qui a un fer repassé? Mais sérieux quoi. Là je vous jure, on ramasse des choses bizarres sur les bestioles hein. Putain. Je sais pas d'où est l'idée de mettre des fers à passer dans le cadavre d'un animal. Bon, un humain, à la limite, ça peut le faire, mais une bestiole. Tu te demandes qu'est-ce qu'on en a fait, quoi. Ok. R2, je veux sauter là, voilà. Bonjour. En fait, c'est plus vers là-bas, quelqu'un. Je sais pas qui c'est, mais... Il m'a l'air pas sympathique le coin là. Putain, mon arme a fait que d'elle. Et t'as pas changé toi? Sérieux?
Mal. Non mais... Il n'est pas un lance-roquette lui sur lui là? Sérieux? Bon. Apparemment il n'y a pas que lui. Mais what? Voilà. Bien fait chier le con. Ouais, je passe en coup de vent ici, je viendrai peut-être plus tard, on sait pas. Difficile de crocheter ça. Mel, la Victoria, ok. Ah ouais. Je sais pas si je tombe là, ça me fait des dégâts. Allez, soyons fous. Ah, ça fait aucun dégât ça. Ok. Sérieux? Ok, sérieux. Ouais! Je sais pas contre qui il se bat, mais je m'en fous un peu là. Putain, pour j'aimerais essayer de se lancer ce missile, putain. Putain, je vais casser comme munition de cette arme. Ok. Merde, j'ai cru voir un mec là. Voilà. Ça, c'est réglé. J'entends quelque chose, je veux
pas savoir, putain, mais pourquoi tu descends dans l'eau, putain? What the fuck, guys? Ok. Putain, vas-y, fais chier, là. Mon robot, il vient pas, sérieux. Coucou chez moi. Putain, je suis en danger. Je suis en danger, Emilia. Ouais, y'a quelqu'un. Oh putain. Oh putain, il est là. Oh merde. Par ici. Allez! Va chier! Putain, mais je dois. Hop! Que dalle! Putain, je veux que dalle! Voilà! Ok, c'est une balance! Y'a pas un truc de cuisine là, parce que là franchement j'ai plein de pouces sur moi là, il faudrait que je les fasse cuire. Un truc de cuisine ou autre là. C'est de quelqu'un qui va venir et va te défoncer la tronche. C'est vraiment joli dans le coin là. Siège de Vim. Allons voir le siège de Vim. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais rencontrer là-bas, mais j'espère que ce sera pas des super mutants, mais ça va être des super mutants. Y a quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un à l'étage? Ta gueule. C'est quoi, il est... Tu t'excites sur quoi, toi?
Hey. Ok. Bon, ça c'est fait, je vais y passer. Voilà. Joli. Oh, c'était easy. Un sac à viande. Oh, ils ont été dépecés vivants ou je rêve. Alors moi je viens de là. Y a-t-il quelque chose d'intéressant ici? Pour du brûlé, tac tac tac. Apparemment c'est par là où il faut que j'y aille. Oh, ça c'est lourd, c'est pour quitter. Pas par là alors. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec les oursons dans ce jeu, mais c'est what the fuck. Que dalle, ok. Bon, ce niveau-là, il y a que dalle. J'ai déjà fouillé. Toc, toc, toc. Assommez-nous. Ok, c'est l'usine. Je crois que de toute façon, c'est dans l'usine, le machin, non? Ça survient en bas. Voilà, ça c'est fait. Ça y est. Génial. 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 Non, ça rajoute rien du tout.
Bon, mais c'est parti pour l'usine, je crois. Ouais, on va voir ça. Truc pour l'usine, c'est vers où déjà? Étage usine. On voit l'intérieur. Ok, nous voici dans l'usine. En l'occurrence, c'est un bazooka. Apparemment, il a fait de son effet. L'épisode arrive à son terme parce que en fait j'avais filmé plus d'une heure, donc voilà, là c'est la fin. C'est la fin de l'épisode, on va dire. Donc voilà, donc si vous voulez suivre la suite, abonnez-vous et on se retrouve dans 2 jours pour voir la suite, quoi. Donc voilà, que dire, voilà. Donc je dis à plus tard, c'était Guincho. Bye bye.